Je vais vous présenter pour cette Camcom un jeu. Un jeu qui se joue la nuit. Ce jeu s'appelle Journée. En anglais, Junai. J'ai fait anglais quand j'étais en grande section de maternelle. Et depuis, je suis complètement bilingue. Il est 22h15, j'ai le casque à fond, et c'est la finale. Argentine-Allemagne. Eh ben, je me fais chier, donc du coup, je lance une Camcom. C'est un match un peu mi-molle, on va pas se mentir, hein? Donc, je me trouve un peu. C'est un peu faiblard. Journée, je l'ai essayé une fois il y a longtemps. Mine de rien, ça fait déjà un petit bout de temps qu'il est sorti ce jeu. J'avais juste la démo. Et j'avais trouvé la démo spéciale. Là, avec le PS Plus, je l'ai eu gratuit. On va pouvoir jouer un peu plus dessus. Lève-toi, je te secoue. Voilà. Tac, droite, gauche. Et si je fais ça, on tourne autour. Si je fais triangle, il ne se passe rien. Voilà. Et on y va. Ah, ok, d'accord. En fait, moi, je suis en train de faire droite. Ça m'a toujours embrouillé, moi, ces trucs. Hop. En fait, faut écouter ce qui. Ah, faut trouver un point parfait, c'est ça? Celui-là. On y est presque. Là. Ah, j'y suis. Non? Et on fait quoi? Et on fait rien du tout. Tu vois, la Camcom a commencé à peine que déjà je suis bloqué. Je crois que c'est. J'ai jamais été aussi rapide en fait. Tu vois ce que je veux te dire? D'habitude, je joue un petit peu, je comprends pas trop les touches. Voilà, j'avance. Mais là. Attends. Mais bordel. Là, je peux le faire avec les joysticks en fait. D'accord. Et après, on fait quoi? Là, j'y suis là. Oh, j'y suis. En fait, il faut que la manette elle disparaisse, c'est ça? J'ai l'impression qu'on va même pas commencer le jeu, je sais pas pourquoi. Il va se passer à peu près 14 minutes, le temps de l'épisode, et on sera pas parti. La dernière fois, j'ai joué, j'ai marché. Je suis allé derrière les dunes, je sais plus, il y avait un. Tu peux sauter, tu voles un peu avec le vent, c'est un peu chelou. Mais là, je t'avoue que. Je me rappelle pas d'avoir galéré. Ah! Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais je me suis levé. En même temps, j'ai envie de te dire tant mieux. Ah oui, je crois que tu peux pas sauter dans ce jeu, c'est trop chelou. Le jeu en ligne est soumis aux conditions. Ça marche, on verra plus tard. En tout cas, pour l'instant, il n'y a que la touche rond qui lance une sorte de petit sonar. Tac. Un appel à l'aide quelque part. R2, L2, et machin, ils servent à rien. Tu peux faire que ça. Voilà. Est-ce que tu es content? Superbe. On est bientôt arrivé? Ah, il n'a pas eu le temps de répondre. Bienvenue dans le monde merveilleux de Journée. Journée est un jeu poétique. Un jeu qui marque un homme. Toute personne ayant joué à Journée ne s'en sont pas remises. Il aura fallu des années de rétablissement, de maison de rééducation en maison de rééducation du cerveau, ces hommes ont dû se battre pour oublier ce jeu. Et là, je suis parti en couille. Mais ça fait du bien. J'ai envie de te dire, on est le 13 juillet quand même. On n'a pas eu un brin de soleil depuis au moins une semaine. Donc il y a un moment, t'as besoin d'évacuer. Je suis désolé, mais le soleil, c'est la vitamine D. Et la vitamine D, c'est important pour ton corps. Sans vitamine D, tu serais pâle comme un cul. Sans vitamine D, tu aurais la peau complètement flétrie. Sans vitamine D, tu serais anglais. Non, ils en ont pas beaucoup de la vitamine D, on va pas se mentir. Je crois que la vitamine D, c'est un élément rare chez eux. C'est un ingrédient, ça se vend au marché noir, quoi. Je veux dire, le mec, il va chercher de la vitamine D.
Naturel. Oh, on peut sauter? Non, on peut juste interagir pour monter. Ok. Petite onde sonore. Appel du T-Rex. Donc là, je sais pas ce que j'ai pris. J'ai pris en fait une sorte de karma. Et je suis régénéré de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Régénéré de l'intérieur. Parce que régénérer, c'est-à-dire tu régénères quelque chose. Régénérer, tu te l'es fait toi-même. Vol, papillon. Voilà, magnifique. Et pourquoi je peux sauter que là-bas? Est-ce que ça, on peut m'expliquer? Par contre, lui, c'est monsieur, pas de bras, pas de chocolat. Hein. Ouais. Je peux voler que ici. C'est fou, je cherche le pavé tactile, tu sais, pour les conditions de journée. Ah. Attends, pourquoi elle est venue à moi? J'ai pas fait X, j'ai fait L1. Non. J'ai pas compris le système pour voler. Je vais garder voir si est-ce que j'ai juste pris le droit de sauter une fois. C'était ça en fait, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc si c'est ça, ça veut dire que c'est important de garder son droit au saut. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pas le droit au saut, comme en 1920 qui voulait dire aller aux chiottes. Mais garder son droit au saut. Pas le popo, tu vois. Donc là, je peux plus sauter. Donc ce qu'on va faire, on va aller chercher 2-3 feuillasses. Voilà. Et on va se garder le droit d'un saut. Il m'a l'air d'avoir un désert interminable, parsemé de petits points autoroute un peu quelque part, tu vois, air de repos, tu vois, t'arrives, tu prends un peu des forces, tu bois un café, tu décolles, comme on dit dans l'expression. Donc là, j'ai le droit à un décollage. Voilà. Hop, je me suis repris le droit d'un décollage. Deuxième droit. Moi, je décolle si je veux. Tu vas pas m'emmerder. Enfin, si je veux. Faut que je trouve des tickets. Ça court pas le désert. Parce que là, je vais pas dire ça court pas les rues. On n'est pas dans une ville. Et ça, je sais pas si tu l'as enregistré. Je sais pas si t'as bien compris. Je suis persuadé que certains d'entre vous pensaient que j'étais sur GTA V. Oh, petite session freestyle. Il y a un gars là, non? Non, c'était quoi que j'ai vu se déplacer? J'ai vu un truc se déplacer. Ah, c'est les petites feuilles. Continuons. Allons-y gaiement. Je suis d'accord, il se passe pas grand-chose. Même que si ta mère passait derrière toi et regardait la vidéo sans connaître le milieu du jeu vidéo, rien du tout, même elle te dirait, il se passe pas grand-chose. Là, tu ne pourras que dire à ta mère, oui, maman. Il ne se passe rien. Mais écoute cette musique. On est bien, maman. Et là, ta mère s'endormirait paisiblement. À même le sol. Et tu serais tranquille une bonne quinzaine d'heures. Donc je serais toi, appelle ta mère. Après, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Donc là, je suis en train de galérer contre le vent. Et depuis tout à l'heure, je ne sais pas où je vais, tu vois. Et vu que je ne sais pas le but du jeu, t'as envie de te promener. Tu sais pas si tu dois trouver un secret, tu sais pas si tu dois sauver une princesse, tu sais pas si tu dois simplement survivre. Mais on est là. On est actif. On est subjugué par cette beauté. Et là-haut, il se passe quelque chose. Ah, dommage. J'ai gâché mon droit au saut. Je ne peux plus aller au saut. Franchement, c'est immense. En fait, c'est pourquoi mon ce, il a continué. Parce que je me suis mordu l'intérieur de la joue. Donc pendant que je t'ai dit c'est immense, je me suis mordu. Du coup, ça a fait un c'est immense. Je me suis fait un peu mal quand même. Mais je vais rester zen, digne. Je suis youtubeur. Ne l'oublions jamais. Nous avons le devoir de vous véhiculer une belle image. De faire semblant quelque part. Donc là, pour toi, j'ai pas mal. J'ai juste envie de gueuler ma race. Mais j'ai pas mal. On va se détendre un peu. Petite descente freestyle à la snowboard. Hop là, atterrissage. Par contre, les petites lettres là, je peux rien en faire.
Et franchement, je sais pas ce que je dois faire, hein. Vu que je n'ai aucune interaction. Les touches, il n'y en a aucune qui s'utilise. Et du coup, eh ben, tu sais pas ce que tu dois faire. Ah. Aurais-je trouvé un coin qui change? Que tout ce bordel. Allez, pas de bras, vas-y. Tu as du chocolat, il va falloir monter un peu. Là, il se passe un truc. Ouais. Le système de saut, faut que je comprenne quelque chose là. C'est pas les. Là, je viens de décoller alors que j'ai pas pris de billet tout à l'heure. Est-ce que c'est ma cape derrière? Plus elle est blanche et plus le saut est imminent? Non, que dalle, ça marche pas. Ça fait quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Il est chelou ce jeu. Ouh là là, je vais voler pendant des heures. Je sais pas ce que c'est que ce bonhomme, je ne connais pas la planète. Mais en tout cas, il est swag. Ça fait quoi si je fais ça? Onde magnifique. Ah, c'est pour franchir le truc. C'est magique. C'est un peu le Harry Potter du Sahel. Hop, on va allumer tout ça. Harry Potter. Qu'est-ce qui se passe avec la lumière qui reflète dans les inscriptions? Et moi, je vais me mettre au centre, c'est ça? Et je fais croix. Et je m'assois. Je m'incline. Parce que quand c'est pas la carte mémoire, c'est la batterie. Fallait bien qu'il y ait un truc, hein, une camcom qui se passe crème. J'y crois plus trop maintenant. Et là, j'ai envie de chialer. Franchement, j'ai envie de pleurer. On y va? Je vais continuer encore un petit moment, mais je t'avoue que c'est le genre de jeu où même toi, je pense que t'es déjà plus là. Tu vois, là, je suis un peu tout seul. Je suis persuadé qu'il n'y a plus personne. D'ailleurs, si tu es là, mets-moi ton plat préféré dans les commentaires. C'est des petits trucs à la con, mais ça fait plaisir à tonton. Je vais rester un vrai. Un whiner. Continue 3 minutes. Hein, on va voir ce qui se passe. Autre que le désert, il y a l'air d'avoir un petit peu d'eau, c'est cool. Et après, on se casse. Je vais aller regarder un peu le match quand même. C'était une petite cam-com pendant le match. Le match un peu mimol. Petite pause. Et j'ai soif. On a traversé le pont. C'est pas celui d'Avignon, je te le dis direct. Au côté, t'aurais pas reconnu. Et des bruits bizarres dehors. On y va. Magnifique palais. Non, en fait, je sors du palais là, c'est ça, hein? Oui, je suis con. Eh oui, je sors du palais. Donc, du coup, t'y retournes, hein, tu vois, dans l'autre sens. Non, non, je, non. Attends, 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 attends. J'arrive d'où à la base? Que je comprenne. Est-ce que j'ai. Bon. On va aller voir plus bas ce qui se passe. Allez. Hop là. Une petite feuille. Mais en même temps, tout à l'heure, la map est tellement grande que j'en suis sûr, j'ai raté plein de trucs. Je suis allé tout droit, j'ai pris la porte là, et basta. Le fait de ne pas pouvoir sauter, je t'avoue que ça me saoule un peu quand même. En fait, je suis revenu à tout à l'heure là, j'y étais là, ce truc. Non? Je vais pas dire je comprends que dalle. Mais j'ai envie de te dire, j'en suis pas loin, tu vois. J'en suis pas loin de rien comprendre à son truc. Il est bien mignon, lui, mais c'est un peu particulier. Hop, petit jump. Et là, j'ai fait rond. Magnifique. J'ai déclenché une pluie de petites ailes. C'est spécial. On va pas se mentir. It's very special. Ah, ça me fait un petit pont. Mais du coup, faut que je trouve un. Ouais, c'est un peu du Tomb Raider version, je suis chez Père, quoi. Tu vois? Tomb Raider. T'es. Hein? Il a pris un vieux banc avant de commencer. Tomb Raider, il est défoncé. Alors, du coup, il se voit avec une cape.
train de faire de la magie, avec des petits billets qui volent, et qui font des petits ponts. Je crois qu'il est atteint là. Là où il y a un vent, comment j'ai décollé. T'as pas moyen de prendre les billets là? Voilà, là. Hop là. Bon, un ça suffit, deux, trois, nickel. On va continuer. Des fois qu'il y a plusieurs ponts à faire, on va essayer de repérer les endroits presque envie de te dire improbables, mais nécessaires. Là, ça sert à que dalle. Pourquoi il y a une petite lumière blanche? En fait, la petite lumière blanche, c'est quoi? C'est le soleil ou c'est discrètement le truc qui t'emmène à des objectifs? Tu vois ce que je veux dire? Ah, regarde. Ah, c'est ça en fait. Ah, je viens de comprendre. J'ai trop le swag. Hop là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis avec mon ami. Nous sommes heureux. Et là, je peux lui envoyer plein de petits messages. On est un peu ce qu'on appelle sur la planète journée. Nous sommes en plein Covid. Quelque part, je lui fais un enfant, là. Mais version de l'espace, tu vois. Hop là, elle est montée en l'air, direct. Bon, ben, j'ai pas bien compris ce que je devais faire avec ce personnage. En tout cas, la petite lumière blanche arrête pas de me renvoyer à cette personne. C'est qu'il y a forcément un truc à faire. Donc on va aller là, non? Ah, faut que je te suive. Attends, donne-moi de l'énergie. Attends, viens avec moi. Attends, tu me fais décoller quand on se... C'est spécial. Mais en même temps, ça... Ablé. En même temps, je suis subjugué. Je suis comme envoûté. Tu vois ce que je veux dire? Je devais arrêter et... J'ai l'impression que ça fait un quart d'heure que je suis dessus encore. Magnifique. En fait, lui, il me donne la solution, c'est ça? Là, il me fait d'autres ponts, c'est superbe. Et j'ai l'impression qu'il faut que je continue. Avec lui, non? C'est ça? T'es où, Choupinette? Ah, il y a un truc là-haut qui brille. Mais qu'est-ce? Pourquoi tu te barres? On va où maintenant? Emmène-moi. Montre-moi la voie, s'il te plaît. Isidore. Oui. C'est un prénom très courant sur journée. Il y a beaucoup d'Isidore. Comme nous, des Jean-Jacques. Ou des Abdel. C'est un prénom très répandu. Voilà, allez, emmène-moi, allez-y. C'est quoi? C'est en train de me bouffer le cerveau. Hein, il se fout de ma gueule, il est en train de me chercher secrètement. En fait, c'est un coquin. Il se moque de tonton. Bon, peut-être qu'il n'y a plus besoin de lui, ou alors il est en train de m'expliquer un truc, tu sais, un peu comme toi quand tu me regardes en stream. Mais bordel, appuie sur ce bouton. Et moi, je tourne autour et je ne l'ai pas vu, tu vois. Et autant le personnage, là, il est en train de me dire ça. Ce qui est fort possible. Allez, montre le petit truc. Non, il veut pas. Hop. Donc, ah, derrière la cascade peut-être. Allons voir. Un secret. C'est marrant, il suffit juste de passer à côté de ces trucs pour qu'il se passe quelque chose. C'est quoi? C'est un plan? C'est quoi? On dirait une sorte de plan, ouais. Après maintenant, peut-être que ce n'est pas un. Mais moi, je crois que c'est un plan. Les amis, c'est bien mignon, ce jeu. 20 minutes, quand même. Moi, je vais aller regarder un peu l'Allemagne où elle en est. Ou l'Argentine, je sais pas. Je te kiss la molaire. C'était Tonton. À bientôt. Bisous.